Dans cette vidéo, on part pour une petite aventure un peu spéciale. Un genre d'aventure que je vous ai jamais montré, que j'ai jamais filmé. On part avec Léo et je vais vous montrer où est-ce qu'on se trouve plus tard dans cette vidéo. Bonne vidéo! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Celle-ci est un peu particulière parce que j'ai décidé que j'allais faire une petite aventure. J'allais partir pour une petite excursion d'une journée, ou de deux jours plutôt, à explorer le backcountry d'un endroit que je connais très bien. Essayer d'aller plus dans l'intérieur des terres, sans van, avec mon sac sur le dos. Un petit sac sur le dos de Léo. Et de partir, de faire du bushwhacking, on appelle ça, ou du backpacking si on veut. Et j'amène avec moi un petit accessoire qu'on m'a envoyé pour le tester, pour essayer de vivre une vie nomade un peu différente de celle que j'ai l'habitude de vivre depuis 6 ans. Alors c'est parti pour une petite balade de randonnée, un petit essai à la randonnée nocturne avec Léo. Notre direction, c'est ces forêts-là d'arbres. Alors j'ai amené très peu de choses. Que les pros du backpacking ne me jugent pas. J'ai un très vieux sac à dos. J'ai essayé de faire une sorte de kit de randonnée à la va-vite. Avec un petit peu de nourriture, mon petit sac à dos, mon petit abri que je vais vous montrer. Et Léo, il porte sa nourriture et son petit récipient d'eau. J'ai amené assez d'eau pour les deux prochains jours, je pense, mais j'ai quand même mon filtre d'eau que j'amène tout le temps avec moi partout, au cas où, si on trouve de l'eau, c'est très très sec ici. C'est là où vous voyez que vous avez un chien intelligent, c'est quand vous faites un plan faux de caméra de raccord pour faire semblant que vous marchez vers l'horizon lointain et que votre chien s'arrête devant la caméra. Je peux plus vous faire croire que je marche et qu'il y a des gens qui me filment. Alors pourquoi ça me tentait de faire une petite rando backpacking? C'est parce que le monde est en train de tomber sur lui-même. Il est sans dessus dessous. Et j'avais besoin de peut-être reconnecter avec une énergie vitale qui est celle d'explorer les contrées de notre planète. Et surtout de
de retourner à l'essentiel. Je crois que chaque fois que dans l'humanité ou dans notre vie personnelle, on fait face à certains défis, des obstacles externes, je crois que c'est très important de se reconnecter avec la nature pour faire vibrer cette énergie vitale et retourner à l'essentiel et un peu stimuler ce qui est dans notre ADN, la survie, mais pas que la survie, aussi l'émerveillement et la connexion. Et rien de quoi de mieux que de partager ça avec son petit animal. On dirait un petit dromadaire. C'est ma petite mule. Ma petite mule de portage. Parlant de portage, je pense qu'un jour avec Léo, on fera un petit voyage de canot sur plusieurs jours. Alors, il fait encore très très chaud. On est passé mi-septembre. Il fait très 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 chaud. On peut toujours pas faire de feu dehors, donc j'ai amené un petit équipement de cuisine pour faire de quoi de très très simple. Un petit Léo. Regardez comment c'est brûlé par le soleil. Ces paysages là sont assez incroyables. Il y a très peu d'animaux, en fait j'en ai vu très peu parce qu'il fait tellement chaud. Les animaux ils sortent vraiment juste la nuit et beaucoup plus que d'habitude en fait. Ils montent en altitude de plus en plus, donc nous on va essayer de monter un peu en altitude si j'y arrive. Il fait 28 degrés aujourd'hui, mais il fait pas aussi chaud que les chaleurs caniculaires qu'on a eu, donc j'ai hâte à ce soir en fait. Je sais pas encore où est-ce que je vais bivouaquer. J'ai plusieurs spots que j'avais déjà vus par le passé que je pense que je vais explorer. Et on va essayer de monter, avoir une petite vue du lac. Oh, j'ai plus l'habitude de parler à la caméra et de faire de l'exercice. Oh, un petit sentier. Suivons le petit sentier. Vous avouer quelque chose, Léo, je lui ai appris à creuser des trous parce qu'en fait il creusait beaucoup de trous quand il s'ennuyait ou quand il était bébé, et on lui a appris à creuser des trous, et maintenant il creuse sur demande. Et en fait, un petit détail, quand on est en bushwalking comme ça, et bien on va faire ses besoins dans la nature, et oh, j'ai oublié papier hygiénique. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Je pense qu'il y en a ici, c'est un type de plante qui s'appelle la plante papier toilette. Mais oui, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, Léo, ce qui est très drôle, c'est que il peut creuser sur demande, et au lieu, quand il fait chaud, de me casser le dos à creuser un trou, là où c'est très très dur de creuser des trous, mais maintenant Léo il peut creuser mes trous. Je sais pas si c'est trop d'informations pour vous, mais maintenant vous savez notre relation unique.
Ça va Léo? Oh, ton petit nez, le petit nez. Voici la planque de papier toilette. Je crois que ça s'appelle... En français, cette plante ça s'appelle... En anglais, en tout cas, ça s'appelle mullein. C'est une plante qui est très très bonne pour tout ce qui est virus, rhume. Les racines sont très très bonnes, les feuilles en infusion. Et pour se torcher les fesses. Mais cette plante-là, c'est très invasif, ça passe pas, ça va partout en fait. Du papier très très doux. Ce soir, si on n'arrive pas à dormir, on va se faire une petite infusion de Yarrow. Je sais jamais comment les noms sont en français. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que c'est. J'ai trouvé un petit spot et je vais vous montrer où est-ce que je vais passer la nuit. Léo. Ah, petit Léo. Ce sac là c'est très pratique parce que votre chien, si vous l'habituez, il peut juste, ça lui fait un petit peu plus d'exercice quand c'est un chien qui a beaucoup d'énergie et il peut porter sa propre nourriture. Et le petit Léo? Livette, 7. Alors, comme vous le voyez, ce que j'ai apporté, c'est très sommaire. C'est mon tapis de yoga pour matelas de sol. Et une petite tente qu'on m'a envoyée gentiment. C'est une marque française. Je vais vous en dire plus dans une autre vidéo, mais... ce sera la prochaine vidéo où je vais vous montrer un peu les détails. On va juste la poser pour l'instant. Le petit nid douillet. Oh, j'ai hâte de dormir. Bon, je pensais que je vous ferais un petit tour de la maison. Alors voilà la chambre. Voilà le chien.
à débutants. J'allais vous montrer un peu ma petite cuisine de campeur, de backpacker, avec mon petit système, mon micro-système. Et j'ai oublié un briquet. Et j'ai pas d'allumette non plus dans mon kit de survie. Parce que cet été, les feux sont interdits, donc c'était pas vraiment faire du feu qui était la priorité cet été. Et donc dans tous mes kits que j'ai amenés avec moi dans mon sac, j'ai aucune allumette et aucun briquet. Comment j'ai pu faire cette erreur-là? Pour ce soir, au souper, nous avons figues crues séchées, de mangue séchée et des graines de tournesol crues et écalées. Donc c'était un menu très cru. Heureusement que je suis parti pour qu'une seule nuit. Bon matin. Bon, il est 7h du matin. Bon, je vais pas vous mentir, je me suis réveillé quelques fois. Hier soir, les étoiles, c'était magnifique. Moi, j'ai pris quelques clichés, je pouvais pas m'empêcher. Bon, Léo, là, il s'impatiente. Donc, on va se réveiller gentiment. Mon cerveau est très très lent ce matin. Il fait pas très froid, je pensais que j'aurais plus froid que ça en fait. J'ai pas tout, mais il faut se réveiller. Dig. 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 Ça y est, on va retourner au campeur, hein Léo? On va retourner au campeur, faire notre petite descente, la randonnée tout en descente, donc ça va faire du bien, on va pas transpirer. Mais j'espère que cette petite vidéo de bivouac, un peu différente des autres vidéos que j'ai faites, vous a plu. Nous on va s'en aller et je vous souhaite, je vous dis bonne randonnée à vous aussi, bonnes aventures. Et Léo il s'en va déjà, donc bye. À très vite.